passe. Il est servi. Fraser Forster qui remporte son duel. Thiago Silva qui est récompensé de son pressing. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Oh, il est parti là. Pelé qui frappe. On a failli voir un but magnifique. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. Alderweireld, il va tirer ce corner. Bon, c'était peut-être un peu loin, mais il a raison d'essayer. Surtout que c'est l'un de ses points forts. Si vous venez de nous rejoindre, vous serez ravis d'apprendre que vous n'avez manqué aucun but. Il reçoit le ballon. Trop long, le ballon est sorti. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Maxwell. Cavani. Il peut y aller. Une occasion. C'est joué, loin devant. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, il va falloir que le manager fasse 2-3 changements là. Les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Bertrand. Il glisse le ballon en profondeur. Là, il peut centrer. Un bon centre. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Il n'a pas hésité, c'est propre. Il la met dans la boîte. Pelé qui frappe. Il était pourtant bien placé pour reprendre ce centre, mais le gardien est là, bien présent. C'est toujours difficile de reprendre un centre qui vient de derrière comme ça. Mais ça aurait pu donner un but incroyable. Il y va tout seul. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Il peut y aller. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Oh, l'interception! Garde ce ballon pour trouver la faille dans la défense. C'est bien fait ça. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Bon, c'était bien joué, mais ça suffira pas. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter, à filer jusque dans l'axe. Il va s'en vouloir. Marco Verratti. Marquinhos. Pastore. À 5 minutes de la fin, le temps réglementaire. Un score toujours nul. Quel suspense encore dans cette rencontre. Il peut en profiter. Alderweireld, il va s'en charger, il est fort pour frapper des corners. Il joue court. Cavani. Thiago Motta. Allez, allez, un petit peu d'énergie, le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant.
Pelé. Il doit vite trouver une solution. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Oui, match nul. 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il a manqué des buts dans cette rencontre. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre Manchester United. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré d'Arène d'Angleterre. Le match peut commencer. Et le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Van Persie. Il garde la balle. Smalling. Et ce magnifique tacle glissé. Rooney. Ce contre peut très bien aller au bout. Voilà une bonne occasion de contre. Il va se présenter devant le but. Oh, dommage, c'était pourtant bien tenté. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Le Paris Saint-Germain tient bien le ballon, mais n'arrive pas à créer le danger. Et le geste plein d'autorité, quel tacle! La passe est précise, ça peut partir en contre. Et le cadre se dérobe largement. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Longue ouverture. Manchester United s'engage dans une possession un peu stérile.
Il n'a pas hésité, c'est propre. Van Persie. C'est joué, loin devant. Une très grande ouverture. Pour trouver la faille dans la défense. Cavani reçoit le ballon. Pas de hors-jeu, il y va. Et le tacle dans sa propre surface. Cavani, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Oh, le coup de tête! Un autre tir. Oh, but! But pour le Paris Saint-Germain! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Ça frappe le poteau, mais il s'en fiche. Le principal, c'est que ça soit rentré. Bien, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Rooney. Oh là, c'est chaud, quel tacle. Il peut y aller. C'est reparti, ils peuvent contrer. À toute vitesse vers la surface. Oh, c'était une jolie frappe. Pris au piège du hors-jeu. Ah, quel dommage, l'idée était géniale. Thiago Motta. Maxwell. Raphaël, sanctionné par l'arbitre. Le voilà servi. Ça sent la frappe. Il peut en profiter. Oh, c'est chaud là. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent l'avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. La seconde période, c'est parti. Une très longue passe. Thiago Silva cherche la verticalité. Va-t-il en profiter? Il est servi. L'accélération. La parade, superbe. Oh, ça, c'était cadré, c'était cadré. C'est repoussé, ça peut revenir. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Allez, la tête! Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Le bon service. Cavani. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien fait ça. Ibrahimovic. Il file vers le but. Moi je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Thiago Motta, il joue dans la profondeur. Et le geste plein d'autorité, quel tacle! Ça passera sur le côté. Il combine parfaitement. Il va se faire rappeler à l'ordre là. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. Il se sacrifie parce qu'il savait que ça pouvait faire mal derrière. Une faute altruiste en quelque sorte. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Ibrahimovic! Oh le but! Le geste parfait! Oh, un but vraiment incroyable! Yes! Goal!